je vais vous voir ma maison. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Je voudrais bien vous aider, mais je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. Mais vous comprenez, Martin, ce qu'il dit, monsieur? Non, monsieur, écoutez, calmez-vous. Essayez d'être cohérent. Oui, on a des dossiers partout, on est sous l'eau. Vous comprenez? Oui, c'est un petit peu plus clair. Asseyez-vous, monsieur. Voilà, détendez-vous, calmez-vous, soufflez un peu. Vous voulez quelque chose? Un petit verre d'eau pour vous rafraîchir? Je vous remercie. Bon, essayez d'être un petit peu cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur, s'il vous plaît? Et donc, c'est vachement discret comme intervention, ça. Il n'y a pas que chez moi que c'est le bordel, apparemment. Ouais, ma maison a été sinistrée. Oui, mais alors quel type de sinistre, monsieur? Quoi? Un incendie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais foutez de ma gueule, vous voyez pas l'état de mes fringues, là? Oh, j'avais pas vu vos fringues. Le chômage? Mais vous déconnez, ma maison a été inondée, vous comprenez ça? Oui, j'ai compris. Bah écoutez, on va voir un petit peu. Mais alors, on va peut-être faire un petit inventaire rapide, un petit peu de ce que vous avez éventuellement perdu. Ah bah déjà, j'étais assuré à 100%, hein, donc. Oui. Alors attendez. Parce que n'oubliez pas que nous sommes avant tout assureurs. Ouais. Hein. Donc on va quand même, dès le départ, essayer de vous niquer, hein, c'est normal. Vous êtes au courant de ça, vous signez chez un assureur, vous savez... Non, donc nous, pour pas décevoir le client, on essaie de le niquer directement. Mais c'est marqué sur le contrat, normalement. Ah bon? Bah, c'est votre contrat, ça? Non, c'est là. Alors regardez, voilà. Je vois pas là. Si, regardez, monsieur. Non, mais on voit pas, là, je vois pas. Monsieur. Non, je vois pas, c'est pas... Regardez. Article 15, alinéa 1, au prorata temporis, qui sait, allez vous faire en cul. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes au courant. Alors, on passe à ce petit inventaire. Je sais plus, je suis parti comme ça. Qu'est-ce que vous avez perdu? La télé, le frigo, les meubles, tout, même mon jeu de boules, tout neuf, putain, avec la peau de chamois pour nettoyer les moules, la petite ficelle est vendue, tout. Oui, un jeu de boules, quoi, d'accord. Vous avez des enfants, monsieur? Ah ouais, il y a ça aussi, j'ai oublié, j'en ai perdu aussi. J'imagine que ça doit être dur de... Ben ouais, il était super fort au boule en plus. Le deuxième enfant va bien? Non, le deuxième, ça va, ouais, ça va. D'accord, vous êtes sûr? Ouais, ça va. Je vous dis ça parce que regardez, monsieur, on a des barèmes là. Vous voyez, ça c'est pour un enfant décédé. Ça c'est deux enfants décédés. Je vous dis ça va, c'est vrai que... Je suis parti, il était un peu palo quand même. Bah vérifiez. Votre femme, ça va? Ma femme, ouais, elle a eu de la chance, elle est morte sur le coup. Ouais, c'est vrai. Elle a pris le frigo en pleine gueule. Ouais. Alors, et tout était, ça doit être dur aussi, remarquez. Bah tu m'étonnes, un frigo tout neuf. Et tout était d'origine, D'origine? Ah ouais, le frigo il était neuf. Ouais. Non, votre femme, je veux dire. Non, on a changé deux, trois trucs. Ouais, on va voir avec l'expert, parce que si tout n'est pas d'origine, je suis pas sûr qu'on puisse indemniser la mort de votre femme, monsieur. Je suis sûr qu'elle allait me faire chier jusqu'au bout, cette connasse là, putain. Enchaîne, elle a pas marché celle-là. Ouais, je sais plus quand on enchaîne la mine. Tu sais plus, toi? Non plus. On va jeter un œil sur vos factures après le compteur. C'est bien ça. Elles sont là. Ah voilà, très bien. C'est votre adresse, ça, monsieur? Ça, c'est mon adresse, ouais. Ah, oui, d'accord. Et alors, attendez, parce que ça, c'est des factures. Ah oui. Et c'était dans votre appartement, ça? Ouais, c'est un travail. À l'intérieur de votre appartement? Tout, ouais. C'est combien alors je peux toucher normalement? On va... Martine, vous m'appelez maître Guchon, s'il vous plaît. Un avocat, Guchon. Carrément, quoi. Oui, ah ben quand les dossiers sont aussi significatifs, on appelle un avocat, monsieur. Ouais. Il est là? Merci. Ouais. Monsieur Guchon, bonjour. Ouais. Voilà, je vous appelle, j'ai un client là qui a subi l'inondation dans son appartement. Voilà, alors, vous allez comprendre. Monsieur habite dans les Alpes.
Au 17e étage d'un immeuble. Ouais, c'est bas de plafond, hein, par contre. Oui, on s'en doute. Ouais. Alors, apparemment, à l'intérieur de son appartement, à l'intérieur, un 4x4 Mercedes. Ouais. J'ai galéré pour le monter dans l'escalier. Oui, on s'en doute. Très chenifi, acheté le même jour dans le même magasin. Ouais. Envie de musique, là, ouais. 14 écrans plats, pareil, tout pareil. Cinéma, ma passion. Quoi. Bon, sinon, il a perdu également sa femme, un de ses enfants, un jeu de boules. Voilà. Et le deuxième enfant va bien. Donc combien ça chiffrerait ça? 30-40. 30. Ah ben écoutez, je transmets, je vous remercie. 30-40 000 euros. Au revoir, pardon. 30-40 000 euros. 30-40 millions. Année. 30-40 années, 30-40 ans de prison pour fraude à l'assurance avec le meurtre, etc. 30-40 ans de prison, à peu près. J'ai peut-être un peu exagéré sur les factures, c'est ça? Ouais, bon. Écoutez, allez, chipotons pas, ça me fait chier, mais comptez pas le jeu de boules. Jérémy Ferrari et Marie Lesgarde, on les note vite. Et on termine avec la note pour Jérémy Ferrari et Lamine Lesgade. Pardon les garçons, on est un peu rapide ce soir, mais les sketchs ont été un peu plus longs que prévu. 18, 18, 16, moi aussi j'avais donné 18. Voici la note. 18. Abonnez-vous en cliquant ici.